avec une invitée très spéciale. Rachel Martino. Merci de m'avoir invitée, ma petite. C'est toi qui es ici à mon jardin. Oui, et que c'est toi qui as proposé de faire la vidéo. Mais c'est sur ta chaîne. Oui, c'est vrai. Et en fait, Rachel m'avait proposé déjà il y a quelques jours de faire du pumpkin carving. On va creuser des citrouilles. Enfin, on ne s'est pas lancé dans des grandes citrouilles parce que, un, on n'en trouvait pas. Et deux, ils sont hyper chers en fait. Parce qu'ici à New York, il faut payer par point. Et ils sont hyper lourds. Ouais. Et donc bah déjà là c'est pas mal, hein, comme quoi. Je sais pas combien ça pèse, mais. I don't know, il y a like 8 pounds maybe. Let me see if it's heavier than my cat. Oh no, it's definitely lighter than my cat. Your cat? Yeah. Oh. Non, j'ai pas compris comment. Pourquoi tu parles de ton chat, quoi? Ben mon chat. Ben. Ouais, je comprends, mais. Tu vois, ça c'est plus léger que Pintou, parce que Pintou fait 5 kilos. D'accord, ok. Bon, bref. Donc, celles-là sont déjà pas mal. Et du coup, on s'est installé dans le jardin de Rachel avec plein de petites décos. Voilà. Un petit thé, parce qu'il fait pas très chaud. Bah, il fait froid, hein. Ouais, un peu frisquet. Et donc, ben. Frisquet. Get frisky. Yeah. C'est du thé, je pense. Ouais, c'est du thé. Bah. Le tien, c'est du thé. Le mien, hein, c'est d'autres choses. Hein. D'accord, c'est du whisky, c'est ça? Tennessee bourbon? Non, c'est que du thé. Tu vas. Donc voilà, c'est toi qui dois m'apprendre. Ouais, mais... En fait, ça. Ouais. Bah, en fait, on a recherché un tout petit peu la tradition de creuser les citrouilles. Vous le savez peut-être, Halloween, c'est une fête qui vient de l'Europe à la base. Et on a vu que la tradition des citrouilles qu'on creusait pour mettre des bougies à l'intérieur, ça venait à la base d'Irlande. Et en fait, il n'y avait pas de citrouilles en Irlande à l'époque. Et du coup, ils creusaient des turnips, des radis, c'est ça? Radis, hein, je pense. Bon, du coup, c'était beaucoup plus petit. Et puis, la tradition a été exportée aux États-Unis. Et ici, il y a beaucoup plus de citrouilles qu'en Europe, du moins qu'en Irlande. Et du coup, bah, voilà. Et tout ce petit manège de mettre des bougies et de faire des personnages effrayants avec des légumes. Ça fait un peu bouillon de légumes. C'était pour éloigner les mauvais esprits. Donc aujourd'hui, on va éloigner les mauvais esprits de la maison Martineau. Ouais. Ok. À mon avis, on va leur faire peur avec la tête des esprits qu'on va faire. Je pense. Hein. Ouais, bah en fait, c'est vraiment un truc qu'on faisait en famille quand on est jeune aux États-Unis. Mm-hmm. Énormément, c'est les parents, surtout le père, qui fait le creusage. Parce que bah, il faut pas que les enfants aient des. Couteau, hein, mais t'es sûr que c'est safe? Mm-hmm. Bah non, hein. Pas sûr, hein. Bon, attends, t'as bien tes 10 doigts? Ouais, 10 doigts, on commence avec 10 doigts, mais le principe, c'est en fait, on commence avec le haut de ça, ouais. Et puis on utilise un crayon, non, un marqueur, pour faire n'importe ce que vous voulez, niveau de petit visage. Gueule excellent. Gueule de citrouille. Normalement, le jack-o'-lantern, c'est des triangles. Le triangle pour le nez et puis un truc un peu avec des dents. Ouais, pas comme ça. Ouais, comme ça. En fait, on en a partout. Ça, c'est le but. Voilà. Mais je crois pas qu'on va arriver à ça. Et c'est magnifique si vous s'intéressez. Beaucoup à ça, il y a des dessins excellents qu'on retrouve sur l'internet. Ouais, mais ça, c'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et il y a aussi des expos. Des décos dehors, dans certains quartiers de Brooklyn, il me semble. Oui, à Brooklyn et aussi partout aux États-Unis. Mm-hmm. Ouais. Même ma maman à Kentucky m'a envoyé des photos de déco très bien faites. Mais voilà. Mais ce sera les plus belles. C'est sûr, hein. Mais, mais moi. Je l'ai fait quand j'étais jeune, mais c'était que aider mon père. Et comme adulte, je crois pas que j'avais jamais fait exprès. C'est vrai. Alors ça va être intéressant. Yay. Mais retour en enfance. Ouais, exactement. Et dans le citrouille, il y a la chair. C'est dégueulasse, quoi. Vous allez voir que c'est des petits, quoi, c'est ici. Des petites graines. Des petites graines et des pépins, ouais. Des pépins. Oui. Oh. Oh, c'est un peu. C'est Frankie the Ghost. Mais en fait, on a ça, mais ça va être dégueulasse. Ok, je crois qu'on va commencer pour dessiner.
Ah, on commence par dessiner. On commence. Ouais. Ouais. Tu vas faire quelque chose d'unique? Non. Ah, tu vas faire celle-là, toi? Which one? Is this not? Yeah, this one's bigger. Oh, oops. This one's bigger. It's my house, bitch. Okay. So happy to work for you. Maybe I'll make hearts for eyes. Mine's gonna be a nice pumpkin. What are you gonna do? Hearts. I was gonna do that. No, no, you can do it. No, vas-y. No, no, I cannot carve a heart. So you do it. No, but I can't either. I'll try. Okay. Le mien, c'est un citrouille nice, sympa. Oh non. Déjà. Oh wow, okay. C'est sûr que c'est un cœur ou c'est un cul? C'est un cul. C'est un citrouille. It's a... My citrouille adore le cul. Citrouille à cul. Baby got back. Okay. Pumpkin got back. Pumpkin got back. Voilà. Okay. Yours is Voldemort then? No, it's Jack. Jack who? From The Nightmare Before Christmas. Ah, okay. Oh, yes, yes, okay. Big Fry's gonna look creepy. I don't know. It's a smiley, it's an emoji. It's an emoji. C'est nos voisins. Bonjour. Bonjour. Bonne chance. Oh, he didn't even made any teeth. Jewels. It doesn't need teeth. He's happy. Okay. Bah, je vais perdre. Hein. Je crois que je vais perdre des doigts. Mm, me too. Oh, you need to draw a circle too? Bah, mm-hmm. Il faut pas, mais... Il faut pas mettre mon... Si vous voulez. Normalement, il y a des outils spéciaux. Des outils spéciaux. Spéciaux pour creuser. Pour carver la pumpkin. Mais on n'en a pas. On est allé pour chercher des pumpkins déjà. Il n'y en a pas des outils là-bas. Ils nous disent que... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On est le 30 octobre. Ouais. Alors on utilise... Jerry va me tuer. Quand il voit ce qu'on fait. Avec nos jolis couteaux, hein. Oh, you're doing it that way? I don't know. Okay, that's a fail. Yeah, it's hard. Oh, we're already using another hand. Yay! No, but you. What? You have to be able to get inside. What? I'm gonna. Oh, okay. Par où, hein? Tu me fais peur, hein? Jack the Ripper. Ça va prendre du temps. Chez nous, ce qu'on a fait avec les grains, on a les mettre dans la four pour faire des petits... C'est bon, hein? Les pumpkin seeds. Ouais. Et la chair, tu peux la garder ou pas? La quoi? La chair. Which part? This bit? Non. Je crois pas. No, but I mean not this bit. It's... Which bit? What do you take out? Ouais, les grains et les grains et les tripes. Quoi? Les grains et les tripes? Ouais. The guts. Ok. On dit pas avec tripes, hein? Non, tripes, c'est juste les boyaux des animaux et des humains, tu vois. Ah, ok, mais c'est les tripes de citrouille. Ah, there you go. Sorry. Yeah, you're going good. Oh, I'm so good, I'm harmony. Bah, je suis douée. Hein. Je vous ai déjà dit que c'était chouette de travailler avec elle. Oh my god, you're gonna kill me with that. It already smells. Can you smell it? Ça pue. Ouais, c'est vrai que c'est pas la meilleure odeur au monde. There you go. We might start. Fucking A. Oh, now I made a puzzle. You see this? J'arrive pas. Ah, voilà, c'est fait. Et puis on utilise les cuillères pour bien vider la citrouille ou les mains.
Let's go. Oh, it's so gross inside. Wait, so what do you call the inside if you don't call it tripe? Bah, juste l'intérieur, la chair. La chair? Ouais. How do you spell that? C-H-A-I-R. Like a chair. Yeah. Comme en anglais. Ouais, c'est ça. Ah, ok. En fait, la chair, ça peut être aussi pour toi. Ça, c'est ta chair, ta peau. C'est un synonyme. C'est la peau? Ouais. Ah, ok. Synonyme. En même temps, on fait une leçon d'anglais. Yes, just synonyme. Learning franglais with Harmony and Rachel. Bah, il faut faire quelques vidéos. Comment parler franglais, hein? Écoute. Je t'écoute. C'est comme tu connais l'expression « je te dis quoi ». Is that the expression? Je te dis quoi? Mm-hmm. Yeah, I mean... What does it mean for you? Je te dis quoi? Like, what did I say? No. It's, for instance, bon ben, je vais voir avec Mathieu si on peut venir à ta soirée et je te dis quoi? Yeah, you'll tell me what? You'll tell me what, if you can come or not. Oh yeah, because in English we say that too. No, because in France, if you don't live in the north, don't get it. In Belgium we say that too. D'accord, c'est un belgicisme. More or less, yeah. And in North French, Alsacisme. Alsacianism. Alsacien? No, it's from the Nord-Pas-de-Calais. Okay. But it's not Alsace in the north? No. Oh, oh. Si, c'est dans le nord, mais pas dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. J'en parle. Ok. Maintenant, peut-être que mes abonnés françaises vont. Moi, je sais pas mettre ma main dedans. J'ai fait un trop petit trou. Non, mais, seriously. Qu'est-ce qu'il y a? You can't even put your hand in there. Bah tant mieux, oh. C'est dégueulasse. Oh, oh. C'est quoi ce bruit là? Elle est amoureuse de la citrouille. Il y a quelque chose qui arrive à côté de moi. That's squishy. I know it's squishy, it's disgusting. Oh, I should have taken out my ring. Oh, me too. J'ai dû enlever mes bagues. Voilà. La vache. Ah oui, c'est comme mettre sa main dans le cul d'une vache. Un, deux. Qu'est-ce que tu m'as dit? T'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Rien de méchant. J'ai dit c'est comme mettre sa main dans le cul d'une vache. In the ass of a cow? In the cow? Yeah. Why do you have your hand in the ass of a cow? Well, you know when you are a veterinarian, you have to do that. I don't want to put my hand in a cow's ass. No, that's why you put it in a pumpkin's ass. C'est pas le cul, c'est le cerveau. Oh ouais. When is it? When do you consider it down? Down. Bon. Pour un vrai jack o' lantern, il faut être vraiment vidé. Mais pour nos pour nos bêtises. Bah, je sais pas. Parce que... Je vous jure qu'elle a pas bu pourtant. Bah, je suis pas française. Laisse-moi. Aren't you? Bah, je suis pas francophile. Non. Oh. Francophone. Francophone. Oh. Cut that. Cut it out. Oh, cut. Oh no. Elle n'est pas francophile. I wish that we could share the feeling via. Oh yeah. C'est vrai que mais déjà si on montre ça, tu vois, c'est vraiment de guts en fait, hein. Yeah, c'est comme je dis, c'est des tripes. Ah regarde comme ça ferait une bonne déco en fait. Bonne déco. Je sais pas si ça se voit ou pas. J'espère. Oh, I got a big chunk. Ça s'entend. Oh, yeah. That's good stuff. Here, I'm not the only one enjoying it. Elle avait peur d'une feuille, quoi. Bon, ben, je sais pas si je peux enlever des choses, en fait. Oh, yours looks good. You got all the seeds out. Ah, t'as bien réussi. Mais le mien, c'est un peu pareil. Ah, t'as voulu prendre une plus grosse? Ouais, t'as raison, hein. C'est vrai, imagine avec une grosse. Ça prend du temps.
Qu'est-ce que ça goûte? La courge. What's a courge again? Gourd. Oh yeah. Oh yeah. Oh, that's... Like a squash? Yeah. What's a squash? Squash? Courgette? Courgette. Mm-hmm. C'est pas mauvais, mais... Tu aimes des choses pumpkin? Comme pumpkin pie ou... J'ai jamais mangé. Bah pourquoi? Bah parce que... Je suis pas américaine. T'as qu'à m'en faire, hein. Bah je suis pas française, mais je parle français, hein. Bah... Oh punaise. T'as déjà mangé du spéculoos? Yes! Quoi? Des escargots? No, we're talking about you here. Well, I have tried a spéculoos. T'as déjà mangé... So gross. Why can't I think of anything Belgian? I don't know, I'm not Belgian. I'm gonna have tried. Je suis jamais allée en Belgique alors. T'as déjà mangé du Waterloo? Non. T'as déjà mangé de la flamme cuche? Non. Ah, bon, hein? Ben moi j'ai jamais mangé de pumpkin pie. Bon, bon. Non, après ça, faut aller à The Blue Stove. C'est pas loin d'ici, c'est un restaurant qui sert que les pies. C'est excellent. Ils ont pumpkin pie normalement. Tu peux tester. Oui, mais moi je veux que tu me la fasses. Non. Tu m'as jamais vu cuisiner. Well, Jerry will do. Non, il n'est pas doué non plus, hein. Eh bien alors, vous avez qu'à venir à la maison et tu, on le fera avec Mathieu. Oh, he's gonna come over, do? He's gonna make. No, you're gonna come over. Ouais, mais notre cuisine c'est plus grand. Mais être avec elle, c'est un plaisir de tous les jours. Ça se voit. Hein. Excusez-moi, mais en plus on a un jardin. C'est vrai, hein. Ah, c'est vrai qu'on n'aurait pas su faire ça chez moi. C'est pas si, on aurait pu faire ça en bas, dans l'ovale, mais... Mm. Mais c'est sympa, non? De manger en plein air. Ah ouais, c'est vrai. De boire en plein air comme samedi. Ouais. Un petit thé. Ouais. Non, c'était vendredi. Vendredi? Ah oui, oui. Vendredi soir. J'ai arrêté 6 ans. Soirée mémorable. C'est marrant parce que normalement, c'est moi qui ai le plus. Et non, c'est presque jamais lui, presque jamais. Non, mais c'était trop drôle. Écoute, nous, on l'a pris comme le signe qu'il se sentait bien avec nous. C'est vrai. Ou peut-être tellement mal à l'aise qu'il a voulu souder pour oublier qu'on était mal à l'aise. Non, mais je crois pas. Which one is it? I don't like these people, I want to drink to forget they're here. Yeah. Or I really like them, I'm gonna... Surtout avec nos accents. Avec mon accent et l'accent de Mathieu. C'est peut-être ça, il n'a pas compris, elle a beaucoup... Non, je rigole. Oh, je rigole. Ah, je rigole. Oh non, mais... Hey, don't kill mine. Ah, c'est glissant les mains. Ok, on prend une petite pause pour laver les mains, vite fait. Parce que, avec un couteau et les mains qui glissent... Oh, ok. She's so good, she doesn't have slippery hands. Fancy. You already know. Okay. Okay. You have to move my jacket. Yeah, I'm gonna wash my hands. But I wanna show the camera how disgusting they are. Wait, focus on my hands. Non, ça marche pas. You're a ghost! Well, I tried. The hands are slippery, people. Okay, on recommence. Yours isn't slippery either? Jesus Christ. I always make a mess with everything I do. Okay. Okay, now's the hard part. Ooh, don't. Attention! Attention les doigts, est-ce que ça va tourner mal? Et donc, mais attends, parce que moi je sais même pas, hein. Il faut l'enfoncer jusqu'au bout, il faut enlever carrément ça. Yeah, ok. Oui, pour avoir un... Bah, les outils sont plus petits, alors comme ça tu peux faire... Oui, comme un poinçon. Ouais. Petit à petit. Alors, ça c'est pourquoi c'est normalement des triangles. C'est un peu plus facile.
après pour mettre dedans. Peut-être. Les petits ouais, les tea lights. Oh, je sais pas. Mes petits bougies. Attention. Facile, hein. Il y a harmonique. Ça va être marrant s'il y en a des faux sang. Faux sang. Faux sang. Faux. Ouais. J'avais compris des faux sang. Ouais, un peu de plus, ça peut être très fort. Hein. Non, des faux sang. Pour faire un petit bêtise. Pour envoyer. Oh. Non, c'est pour envoyer à Jerry et Mathieu. Ouais. Non, pour en face des caméras. Regarde, on dirait qu'il a des picots qui lui sortent des yeux. Oh, rien. C'est pas chiant. I feel like you're doing better than me and you're not even American. This is bullshit. Comment tu as réussi à faire un ovale comme ça? Bah, il est pas très ovale, là. Tu vas voir quand je vais... si j'arrive à enlever le truc. Ah, ça y est. Ta-da. Oh. C'est pas mal, là, quand même. À la fête. À la fête de ma copine Noël, en samedi, elle proposait faire pareil. Et je me suis dit, toutes ces personnes sous, en essayant de faire des pommes. Il va y avoir un accident. Ouais. Et alors, on avait ça ou quoi? Ouais. Non, elle faisait un cocktail spécial, genre Halloween, avec du rhum, du whisky et de curaçao. Wow. You know curaçao? Mm-hmm. Curaçao. Curaçao. Et de cannelle et de tout ça. C'était très bon, très sucré, mais oh là 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 là. Ah, c'était fort. Ouais, c'était fort. Regarde, c'est vrai. C'est Alors, en Belgique, vous faites rien pour le Halloween en fait? Même pas des enfants? Si, certains enfants. Pourquoi? Il y a certains villages où il y a des trick or treat. Yeah. Mm-hmm. Mais c'est. Ça arrive, ouais. Mais c'est pas extrêmement répandu. D'accord. Il n'y a pas ça dans tous les villages par exemple et tous les enfants ne le font pas. Yay! Look at my little heart! Alors, ouais, c'est. Alors, toi, tu n'as jamais fait le trick or treating? Si, j'ai déjà fait quand j'étais petite. Ouais. Et c'était vraiment chouette. Et il y a 2 ans, je l'avais fait avec ma filleule. Et il y avait tout un parcours, si tu veux, dans le village. Mm-hmm. Et c'était vraiment chouette. Mais. C'est plutôt exceptionnel, on va dire. C'est pas d'accord. Partout qu'il y a ça. D'accord. Ok. Maintenant. Okay. Parce que pour nous, c'est vraiment tous les ans, jusqu'à, je disais, 12 ou 13 ans. Ouais, quand on commence à devenir ado. Ouais, quand on fait des trick or treating. Trick or treating. Et bon, non, c'est trop fun. Et après, c'est parce que. C'est un truc familial en fait. C'est toujours avec des parents. Et est-ce que toi, tu as déjà fait du trunk or treat? Ah! Moi, j'ai jamais fait, mais par exemple, mes nièces, ouais. Je dis nièces, mes nièces font ça. Nièces ou cousines? Hein? Nièces ou cousines? Les nièces? Yes. Ouais. Les enfants de ma sœur, elles font ça avec ma maman, mm-hmm. Parce qu'en fait, elles habitent dans la campagne. Ouais. Et comme ça, comme en Kentucky, par exemple, une maison peut être éloignée de 2 km. Alors, ouais, c'est à pas pied, comme chez ça. Nous. À pied, c'est. Ça marche pas, ouais. Comme des cowboys, ouais. Ouais, tous les jeunes s'habillent comme des cowboys. Au Kentucky. Au Kentucky. Ils ne pas trick or treating. Au cheval. J'en suis déçue. Et alors, comme ça, ils se font de trunk or treating. Tu l'as déjà expliqué, Os? Non, c'est. J'avais vu ça dans une vidéo. Oui, c'est des enfants. What's a trunk? Le coffre coffre, ouais. Il y a dans un parking. Mm-hmm. Il y a tout le monde qui vient. Et puis, dans le coffre, ils offrent des bonbons. Oui, en fait, les adultes mettent des bonbons dans le coffre d'une voiture, ouvert. Et ouais. Il y a quoi? Il n'y a pas une couverture ou quoi? Tu vois, on doit soulever pour. Il n'y a pas un petit jeu? Ou c'est juste. Ouais, ouais, ça dépend. Par exemple, je te mets la photo pour la vidéo de ma mère. Parce qu'elle faisait une petite scène. Oui. Bah, elle était en. Une sorcière. Une sorcière.
elle fait un truc, elle fait un petit jeu de... It's like rings and you throw it on the hat. Oui, tu dois lancer des anneaux, tout ça. Ouais. Et tu dois réussir un petit jeu pour pouvoir avoir des bonbons. Exactement. Oh, ça doit être comme chouette. Comme ça, c'est chouette pour les enfants. Et j'ai vu des autres, elle m'a envoyé des photos de le trunk or treating et c'était cute. Ben oui, et en fait le truc, ça tu en as déjà parlé aussi, mais je sais pas si tu l'as déjà dit dans tes vidéos, c'est que Halloween, chez nous, c'est vraiment effrayant. Tandis que chez vous, c'est vraiment une fête, comme tu dis, familiale, et c'est pas si... effrayant, c'est plutôt... Ouais. Chez nous, on dirait plutôt que c'est comme un carnaval, tu vois, parce que chez nous, on a aussi le carnaval. Et le carnaval, c'est vraiment axé sur les enfants qui vont se déguiser, qui vont faire la fête dans les rues et tout ça, qui ont justement des petits jeux, comme tu dis, avec les anneaux. Que à Halloween, c'est quand on le fait juste trick or treat, ou sinon, quand t'es adulte, c'est plutôt, tu sais, tu fais une soirée entre tes copains, avec des copains, et c'est vraiment tout à fait, effrayant, quoi. Ouais, pour nous, c'est pas... Si, il y a cet côté qui est... Oui. Tu vois, même les décos, c'est des araignées ou des vampires ou des gens morts, des zombies. Mais pour les costumes, des déguisements, normalement, c'est des trucs dans les films ou des célébrités. Comme ou... toi, tu as fait Wonder Woman. Ouais, je faisais Wonder Woman. L'année dernière, je faisais Dorothy. Dans Le Magicien d'Oz, ouais. Ouais. J'ai pas vu, ça t'as pas mis sur Instagram, si. Hein? Si. Hein? Hein? Tu me dis quoi? Hein? Tu l'as mis sur Instagram, la photo de Dorothy? Oui! L'année dernière, ouais. Je mets... Ah, l'année dernière, mais là dans ton... Oui. Elle fait sa promo, Rachel. J'ai même ma photo, là. Ouais. Peut-être des gens s'intéressent à en venir, hein? Mais bien sûr, attends. Bien sûr que ça les intéresse. Bah ouais, mais c'est vraiment... Ou comme enfant, je faisais, par exemple, Madeleine. Madeleine? C'est quoi, Madeleine? Bah, elle est française, hein? De Ludwig. C'est un cartoon. Bon. Tu connais pas Madeleine? Madeleine, elle est française à la base. Elle habite dans un convent avec des nuns. Je parle pas français, hein. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Mais c'est presque ça, hein. C'est couvent avec des nuns, donc t'inquiète. Ah, quand même. Ouais, One year, I was Mario. C'est personne, mais c'était un chef de pizza. Alors je portais un chapeau de chef et avec un truc avec un gros pizza. That was funny. Ouais, donc c'est vraiment plus pour rire. Oui. Tu n'as jamais fait des déguisements effrayants? Jamais moi. Parce que ça te plaît pas ou parce que personne dans tes amis? C'est comme Mean Girls, tu vois. Oui. Parce que elle vient de d'Afrique. Oui, c'est ça. Katie, Lindsay Lohan. Mon sosie. Et en fait, elle se déguise dans un truc très effrayant. Ouais. Et toutes les autres filles dans les costumes, des déguisements très sexy, des petits souris ou. What was the other ones? Un truc comme ça. Hein. Certainement un chat, non? Un chat, ouais, ou un. What's a bat? Une chauve-souris. Chauve-souris, des choses comme ça. Hein. Ouais, je vois. Tandis qu'elle, elle était. C'est pas à dire que personne se déguise en. Truc effrayant, même ma copine qui s'appelle Rachel aussi, elle se déguise comme Freddy Krueger, mais moi jamais, ça me plaît pas forcément, moi j'aime les choses qui sont jolies, mignonnes. Mais c'est vrai que en 2015, quand on avait fait la première, pour la première fois la parade à New York d'Halloween, on était déguisés en squelette, tu vois, comme je fais souvent, enfin souvent à Halloween, et les enfants dans la rue nous regardaient comme ça. C'était effrayant que tu as fait en skeletal. C'était comme un vrai squelette, tu vois. Ouais. Donc, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui était effrayant. D'accord. Tu vois? Ouais. Il y avait des gens en pom-pom girl, en inspecteur gadget, plein de trucs, tu vois. Ouais, normalement, c'est des choses, des films ou des bandes dessinées. Spider-Man. Ouais, c'est ça. Wonder Woman. Ou surtout pour les adultes, je trouve qu'il y a. Surtout pour les jeunes, je disais des années 20, ils ont des costumes, déguisements. Pardon, je dis toujours costume, même si je sais que c'est déguisement, pas. Costume, c'est bon, tu sais. Non, mais c'est un. Non, c'est pas un jeune. Si tu dis un costume, c'est bon. Ah, d'accord. Par contre, quand tu dis les jeunes des années 20, tu veux dire les jeunes qui ont la vingtaine. Parce que les jeunes qui ont des années 20, c'est. People from. Oh, people from the 20s. The 20s. Yeah. Not so. No. Young anymore. Yes, that's true. They're still even alive.
fait des trucs un peu what's like witty. That's sexy. There you go. Tu sais, comique. Moi, comique. Comique, ouais, comme. Elle dégueule ma citrouille. Il vomit, hein. Oh. Moi, j'arrive pas avec les petits cœurs. Ça se voit même pas que c'est des cœurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plutôt des trucs comiques ou avec des références, genre dans une série. Mais comme le costume que je t'avais montré de Monica et Rachel qui sont en tenue de mariée, en robe de mariée. Ça, c'est le genre de truc. Ouais, même. On ferait plutôt ici. Oui, même des costumes très. Qui fait référence aux mimes ou des choses. Des choses originales. Hein. Ouais, je vois. Ou des double entendres, tu vois. C'est quoi ça? Double entendre? Ah oui. Ah oui, à double sens. Ouais. Il y a un déguisement que j'ai adoré qui était. I don't even know what she said. Mais c'était une petite fille mexicaine qui faisait un déguisement. Bah, il faut mettre en photo parce que c'est assez difficile à expliquer. Mais elle faisait une personne qui était déportée par Trump. Oh punaise. Ah oui, j'ai vu. J'étais dans une boîte. Dans une boîte. Oui, j'ai vu. C'est vrai que c'était drôle, ça. Ouais. La réalité n'est pas marrante, mais le costume était drôle. Ouais, quand même. Non, mais ça, c'était marrant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça et les gens ont beaucoup d'imagination. Mm-hmm. Ouais, j'adore ça. Que chez nous, tu vois, par exemple, les enfants, ça va toujours être un chat ou une sorcière. Ouais. Ou, par exemple, mon filleul, il va toujours mettre des trucs genre Batman, Spider-Man, tout ça. Mais sinon, c'est... Et pour nous, c'est toujours un à un. Non. Year to year. Oui, année après année. Année après année. On change. On change tous les années pour avoir de nouveaux... C'est pas tout le monde, mais moi, par exemple, t'aimes bien j'adore trouver de nouveaux déguisements tous les années. Hein. Bon. Je pense que j'ai presque fini. Je suis harmonie et je suis très douée. Hein. Plus douée que l'américaine. Non, mais par contre, tu crois que... You did a good job. We gotta go in there and pull out the guts, baby. To go in there. No, I don't want to go in there. Yeah, like a little doctor. T'auras fait ton exercice du jour. Ça fait du sport, hein. Je vois. La peau de le mien, c'est beaucoup plus épais que le tien. Ah oui, c'est vrai. Oh, quoique. Si. Attends. Moi, j'ai toute une phalange. No, mine is... No, it is not! Oh, it is pretty thick. Oh! Oh, it is. Oh, just admit that I'm good. Okay, I admit that you're good. Ooh. Oh, no! You're getting a raise today. Oh, yay! Je voudrais ajouter une ligne sur mon CV. Pumpkin carving. Yeah. Skills? Excellent. Yes. Mais et, après, ça sent pas mauvais? Ouais, ça va. L'intérieur, tu vois, si tu le mets dans ta maison ou quoi. Ouais. Mais c'est bien de le faire en dehors. Ouais. Le creusage. Ouais, mais et après, tu vois, si tu veux le mettre en déco chez toi, quand c'est fini. Mais normalement, tu le mets en dehors, en plus. Ouais. Ah, mais moi, j'ai pas de dehors, hein. Désolée, hein. I don't know why it won't come out. It's like something stuck. C'est très bizarre de mettre ses doigts dans des trous comme ça, hein. Tout gluant. 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 Squishy. Squishy, hein. Ouais. Elle se fout tout le temps de moi. C'est mon quotidien. Ça, c'est mon quotidien. On se rigole ensemble. Ah, oui. Tu rigoles pas? Je suis arrivée. Ouh, c'est sale. Si, je rigole beaucoup. Smile! Ça se voit les cœurs, hein? Ouais. Celui-là est mieux fait que celui-là. Mais tu saurais pas arrondir un tout petit peu, tu penses? This one? Ouais. Mais pas comme ça, tu vas le rater comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Tu peux me montrer? Tu veux dire quoi? Pas là? Si, mais si tu tiens ton couteau comme ça, t'auras moins de précision que si tu fais comme ça, non? C'est juste la pointe, un petit peu trop grand. C'est un petit peu léger. Il faut encore enlever des trucs. C'est dur, hein. Yeah. C'est ça le plus dur, c'est d'enlever le...
No, I don't. I wish there was like, because the problem is your hands are slippery. Mm-hmm, mm-hmm. And then you're trying to pull out this gunk. Je sais pas comment faire. Hein. Tu fais quoi? Bah, je sais pas, j'attrape avec mes doigts, mais. C'est comme des spaghettis. Bien gluant le spaghetti. Un spaghetti avec plein de sauce. Ouais. Ou alors si on essaie de mettre un papier. Pour faire les jolis cheveux, on s'est trouvé. Bon, je pense pas que je saurais avoir mieux. J'ai peut-être des bougies de... d'anniversaire qu'on peut mettre dedans. C'est jamais. T'es professionnel, je comprends pas. Ouais, c'est pour ça. C'est clair parce que c'est quand même un fameux travail. Et nous, c'est vraiment des petites. Ouais. Ça, c'est vrai. Et on fait ça pour rire. Il y a des gens, c'est leur métier de faire ça. Je sais pas si c'est un métier en fait. Non. Parce que c'est très pour la saison. C'est pas... Ouais, c'est vrai. C'est qu'il y a moins qui des gens qui s'intéressent. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheter déjà des citrouilles creusées? Non. Non? Non. Ah ben voilà. Pas pour les décos, hein. Tu vois, c'est un business à lancer, hein. Ouais, mais ça dure pas très longtemps après. Ouais, mais la... tu fais autre chose le reste de l'année. Non, non. C'est-à-dire que après la citrouille est... Ah oui, d'accord. Elle pourrit. Ouais, c'est clair, hein. C'est un... What do you call it? The gourd? Courge. Une courge, ouais. Ah, I did it! Une courge, yes. Bienvenue aux leçons de français. Leçon de français by Rachel Martino. Not by you. I'm not teaching anyone jack shit. The problem is like you get your hands on it, but your hands are sticky, you know? How do you get it out? Well, I took a smaller one. Pumpkin head. Bon, on charge des petites bougies. Allez. Allez. Allez, allez. Ok, à tout de suite. Je suis partante. Ben, je suis très heureuse. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la dernière vidéo de Ramani, mais avec... De Ramani. Non, I said Ramani. You said Ramani. Stop wasting your precious candy corn. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la dernière vidéo de Harmony, mais avec Monsieur Crowley, ils ont testé des goûters, plutôt, mm-hmm. Des bonbons américains de Halloween, et elle déteste ça, ça c'est de candy corn, et moi je suis mais amoureuse, et tant mieux qu'elle le déteste parce que elle m'a amené, mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ah oui, plein de bonbons, mm-hmm. Ça, les petites citrouilles, mm-mm-mm. Les M&M's, oh. Not good. Alors, on a trouvé des petites bougies. Tiens. Le problème, c'est que... Ah, c'est l'autre. You see, look at mine, you have... No, but I have a bum. Do you have a bum? Yeah. Oh, great. No, it's upside down. Oh, good job. Put this doesn't light on fire. Okay. Yeah, c'est dégueulasse. Montre. Oh, catastrophe, hein. Catastrophe. I guess we could have told people who I was in the beginning of the video. Don't all people know who you are? Non, je crois pas. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Rachel, après une heure de vidéo, Rachel est une américaine, francophile, malgré ce qu'elle a dit il y a quelques temps. Wait, I thought you didn't say francophile. Bah si, francophile c'est quelqu'un qui aime la langue française. Ah, hein. Donc tu es francophile. Elle est francophile, mm-hmm. Et elle a une chaîne en français, une chaîne en anglais. Mm-hmm. Vous allez la suivre, bien évidemment. Of course, mais je suppose que vous la suivez déjà. Alors, c'est allumé, hein? I think we did pretty good. Yeah. C'est pas mal, hein? Et pas mal pour une première, hein? Bah, je suis fière de toi. Toi, ta première en tant qu'adulte, et moi, ma première tout court. Oh, shit. Tout ruiné. You can see the black marks. Oh yeah, on mine too. But you can... Tu peux les gratter. You can? Yeah. Oh. Well, à part les marques noires, je pense que la mienne est... Ok. Je suis fière de tout. T'as vu ça? Ne brûle pas tes doigts.
Pas comme ce matin. J'ai brûlé mon ongle acrylique en fait. Et on voit rien. C'est le black of the tape. Ah oui. C'était effrayant hein. Voilà, nos deux pumpkins. Laquelle est la plus belle? Le mien. Le mien. Bah, votez. Numéro 1 pour Rachel, numéro 2 pour la mienne. Mettez des pouces en l'air si vous trouvez que c'est la mienne la plus belle. Et commentez si vous trouvez que c'est la mienne la plus belle. Ok, on start. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de faire un petit tour de ma chaîne si ça vous intéresse de voir ce que je fais. Non, mais moi j'étais pas d'accord. Non, bien sûr, allez vous abonner à la chaîne de Rachel si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai eu peur, elle a pris son couteau. Et n'hésite pas d'abonner, bien sûr, à la chaîne de Harmony si vous n'êtes pas déjà abonné. Et mettre les petites notifications. Hein? Merci, bisous, bisous. Bye. Everybody make a scene, trick or treat. Tell the neighbors on the dial.